Bonjour, je suis Olivier Le Sœur, professeur de violon passionné, et je vais vous raconter l'histoire de mon violon construit par un autre passionné, Gilles Borde, un luthier qui m'a construit cet instrument au son d'une grande pureté, comme une voix que j'ai longtemps cherchée sans jamais oser la rêver. Mon violon, comme tous les violons du monde, a été conçu dans la forêt. Ici, nous sommes dans le Jura, près du col de la Faucille, à 1300 mètres d'altitude. L'épicier a choisi a plus de 250 ans. Il a vécu dans un climat rude, avec des hivers très longs, de brefs étés et un sol très pauvre. Il a dû se battre contre les feuillus et donc grandir sans faire de branches. Il mesure environ 40 mètres de haut. Il doit être coupé à une période précise que connaissent les bûcherons du Jura en fonction de la lune. En 2014, la meilleure journée était le 16 octobre. Le travail du luthier débute donc avec une tronçonneuse. L'épicéa est ramené près d'une route et coupé en tronçons de 80 cm pour permettre de fabriquer des tables de violoncelle. Sur cette photo, ce sont des bûches d'érable ondées. Ces bois sont disposés ainsi afin de permettre le passage de l'air entre les bûches. Il y a de quoi construire pas mal de violons, mais il ne faut pas s'y tromper, il y a beaucoup de pertes. Chaque tronçon de l'épicéa est fondu en grosses bûches conservées à l'abri dans un local aéré pendant plusieurs années. Voici la pièce où Gilbert Borde travaille et où mon violon est né, en partie, parce qu'en hiver, Gilbert travaille ailleurs afin d'éviter de chauffer et ainsi ne pas gêner le sommeil du bois. Voyons maintenant le bois utilisé pour la construction. Mon violon est là, sauf les parties intérieures dont nous parlerons un peu plus loin. L'érable ondé pour le fond, la table en épicéa vieux de plus de 10 ans, les éclisses et le manche. Il ne reste plus qu'à s'y mettre. Comme le corps du violon est vide, on utilise un moule qui sert de support aux différentes parties à coller. On peut aussi monter des violons dits en l'air, sans moule, mais c'est plus compliqué et jamais aussi précis. Ceci est un moule en dehors, c'est-à-dire que la construction de l'instrument se fait autour du moule. Il existe aussi des moules en dedans, extérieurs à l'instrument. Le célèbre luthier du 19e, Jean-Baptiste Vuillaume, utilisait ce genre de moule. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Précisant qu'il existe de nombreuses manières de construire un violon, Gilbert Borde a l'habitude de dire qu'il fait ce qu'il a appris et essaye de bien le faire. Le moule est en bois de hêtre dur. Voici, maintenant placées là où elles devront être, les différentes parties intérieures du violon. Le tasseau du haut recevra le manche. L'alésage prévu à cet effet est matérialisé, mais n'est pas encore à sa cote. On voit le trou du bouton sur le tasseau du bas. Toutes ces parties sont en aulne. Pourquoi? D'autres luthiers utilisent des essences différentes. Gilbert Borde a une préférence pour l'aulne parce que Stradivari utilisait l'aulne et qu'il avait ses raisons. Et aussi parce que, natif de la région de Tulle où se trouve une fabrique d'accordéons, Gilbert Borde sait depuis son enfance qu'on utilise l'aulne pour ses instruments. L'avantage de ce bois, c'est sa légèreté et sa perméabilité aux vibrations. Il n'assourdit pas le son. En règle générale, lorsqu'on commence, on reste toujours en dehors de la cote définitive, car il est plus facile d'enlever du bois que d'en rajouter. Les coins sont collés au moule par une goutte de colle que l'on fera sauter au moment du démoulage. Les tasseaux du haut et du bas ne sont pas collés. Ils seront mis en place au collage des éclisses. Une fois les coins collés au moule, on doit les mettre en forme. Cela se fait avec des modèles, mais il ne faut jamais oublier la symétrie et vérifier constamment avec un compas qu'on ne s'en écarte pas. Ne pas oublier aussi l'équerre pour conserver les bons angles. Dans un violon, il n'y a pratiquement pas de ligne droite.
peu d'angle droit, mais tout doit être d'aplomb. À ce propos, on constate que pratiquement tous les violons anciens présentent des défauts. Les modernes aussi, mais c'est impossible d'être parfaitement strict quand on travaille sans les machines et les outils modernes. Certes, rien n'interdit de les utiliser, mais il y a dans la fabrication un ressenti qui passe par les mains, par la sensibilité du luthier, et cela ne se peut qu'avec les outils simples qui donnent un accès direct au bois, à sa structure et à ses petites irrégularités. Le fait qu'un violon soit un peu tordu n'a aucune importance pour le son. Il semble même parfois que ça le favorise. Les éclisses sont en érable ondée de 1 mm d'épaisseur. La largeur n'est pas la même du côté du manche et du côté du bouton. Côté manche, les éclisses, et donc le tasseau, mesurent 30 mm de largeur et 32 mm du côté du bouton. Pourquoi cette différence? Pour l'esthétique, pour le regard. Le Parthenon est ainsi irrégulier pour en améliorer la perspective et le violon, enfant de la Renaissance, n'échappe pas aux règles de la beauté. Les éclisses sont tenues en place, bien d'équerre avec le moule. Elles sont mises en forme avec un fer à plier. C'est une résistance, genre fer à défriser. On mouille le bois et on l'applique sur le fer. Les éclisses doivent être mises parfaitement en forme avant de les coller. Cela évite qu'elles se déforment et donc d'avoir à les bloquer avec des contreparties. À ce propos, on peut utiliser sur les gros instruments des parties en aluminium qui épousent parfaitement la forme des éclisses afin d'éviter les déformations. Stradivarius collait à l'intérieur des bandes de tissu, mais ce n'était pas très bon pour le son. Le violon étant petit, on peut avec quelques précautions se dispenser de ces dispositifs qui sont par contre indispensables avec le violoncelle. Le tour du violon est mis à coller. Toutes les éclisses sont à leur place et l'instrument commence à prendre forme. Un mot sur la colle. C'est un produit animal. Gilbert Borde a longtemps utilisé une colle à base de nerfs et de peau, la colle en peau de lapin et la colle de poisson. Désormais, il utilise une colle à base de peau de buffle importée des États-Unis. Les faiseurs de guitare l'utilisent depuis longtemps, mais il n'y a pas plus traditionnaliste qu'un faiseur de violon. Ces colles s'utilisent à chaud. On doit les faire chauffer au bain-marie. Gilbert Borde utilise un réchauffe-biberon car c'est parfait pour cela. Les colles animales ont des avantages et des inconvénients. Leur principal défaut étant de devoir être chauffé surtout en hiver et de demander pas mal de temps dans un endroit assez chaud pour durcir. Mais leur grand avantage sur les autres colles du commerce, c'est qu'elles permettent le démontage de l'instrument et une fois sèches, elles deviennent totalement transparentes aux vibrations. Les éclisses sont collées. Le violon a pris sa forme. Il est temps de passer un peu de papier de verre sur l'extérieur, le fait de le mouiller faisant ressortir les aspérités et les défauts. Voici les contre-éclisses découpées. Ce sont des bandes d'aulne de 2 mm d'épaisseur et 8 mm de largeur. Elles renforcent les éclisses aux endroits où doit être collé le fond et de l'autre côté la table. Mais ce n'est pas encore le moment. Elles sont mises en forme avec le fer à plier en les mouillant légèrement. Les contre-éclisses sont ajustées en force le long des épaules et des hanches, un côté butant contre le coin, l'autre contre le tasseau. Seuls les C n'ont pas de saillie pour les caler. On doit donc les incruster dans les coins en creusant une place. Les contre-éclisses sont ajustées en forçant un peu afin de consolider le corps du violon. Le moindre jeu dans les différentes parties absorbe les vibrations. Une fois collées, elles sont maintenues en place avec des pinces à linge en bois. Les contre-éclisses sont maintenant collées, il est temps de s'occuper du fond. Les deux parties du fond sont collées. L'intérieur du violon est dessiné. C'est à partir de là que Gilbert Borde va effectuer un découpage grossier à la scie à ruban. Il devrait utiliser une scie à chantourner, mais cette manière va plus vite et ne change rien au résultat sonore. C'est moins beau, c'est tout.
Le fond est très grossièrement découpé. Nous sommes très en dehors de la côte. Le premier rognage a été effectué. La voûte a été très grossièrement délimitée. Les anciens luthiers, et Gilbert Borde a appris de cette manière, utilisaient de grosses gouges appuyées contre l'épaule pour faire ce travail. Il le fait désormais à la meuleuse. Avec un peu d'habitude, on y arrive très facilement. Le travail a été affiné. Le fond est découpé à la bonne dimension, 1 mm en plus. Les bords sont à l'épaisseur, plus 1 mm. Le fond à sa place sur les étlisses donne une idée du violon futur. Le bois qui dépasse, c'est le talon qui sera façonné à la toute fin. Il reste à mettre la voûte en forme et à la bonne hauteur, ici 13 mm. La hauteur des voûtes est importante pour la qualité du son. Le deuxième rognage permet d'approcher au plus près la forme de la voûte. Tout autour, Gilbert Borde délimite une bande de 5 mm à ne pas toucher. Les bords sont ici presque à la bonne dimension, 4,5 mm au lieu de 4. Pour ce travail, on commence à la gouge par petits coups successifs, puis on continue avec différents rabots de luthier dont le fond est bombé puisqu'on ne travaille pas sur une surface plane. La voûte est mise en forme. Pour cela, on dispose des gabarits, mais avec l'habitude, le coup d'œil remplace tous les outils. La voûte du fond est différente de celle de la table, nous en reparlerons plus loin. Ici, nous sommes presque à la côte, 13,5 mm. Gilbert Borde garde toujours 5 dixièmes de millimètre pour le raclage et le ponçage final. Il faut préciser que le travail de l'érable ondé est difficile. Le bois, tantôt debout, tantôt sur couche, se coupe mal. Pour ce travail, on utilise des lames dentées qui évitent, en principe, d'arracher des éclats de bois au niveau des ondes. Il faut être très vigilant lorsqu'on approche de la côte et surtout utiliser des outils parfaitement aiguisés. Le moindre éclat de bois arraché passant en dessous de la côte et tout le travail est fichu. À propos de la hauteur des voûtes, il y aurait beaucoup à dire. Les violons tyroliens ont des voûtes très hautes, les derniers Stradivarius ont au contraire des voûtes basses, 11 mm pour le fond. Gilbert Borde a fait des violons avec des voûtes plus hautes que pour mon violon, mais avec le temps, il a constaté que des voûtes basses, sans trop, donnent des sons plus clairs, plus en dehors. Ceci seulement dans sa manière de construire. On trouve des violons avec des voûtes hautes qui sonnent très bien. C'est une question d'architecture de l'ensemble. Le fond est presque terminé. Les bords sont mis à l'épaisseur, plus 5 dixièmes de millimètre pour le raclage final. Il est temps de creuser la gorge des filets. Sur les violons ordinaires, les filets sont seulement dessinés. Sur un violon de luthier, ils sont constitués de 3 bandes de bois, 3 dixièmes de millimètre d'ébène, 6 dixièmes d'érable et 3 dixièmes d'ébène. C'est le seul ornement des instruments du quatuor. Les filets n'ont pas d'importance pour la qualité du son, mais ils participent à la solidité de l'ensemble en évitant les fentes du bois lors des inévitables chocs. Ceci est surtout vrai pour la table, le fond étant en bois dur et résistant. Les filets sont collés. Il y aurait beaucoup à dire sur ce travail assez délicat. Sachez seulement que les filets du haut et du bas sont en deux parties. Le raccord est invisible. Ceci pour permettre d'ajuster au plus près la pointe de chaque côté des C. Les filets sont collés avec une colle assez liquide qui, en gonflant, gomme les éventuelles petites fautes et irrégularités dans le creusement de la gorge. La deuxième partie de la confection du fond est terminée. L'intérieur est creusé et le fond mis à la bonne épaisseur qui n'est pas la même partout. Au centre de gravité, l'épaisseur est de 4,5 mm. Elle diminue en allant vers le haut et le bas. On prévoit de creuser un peu plus entre les épaules et la partie ventrale, 2,4 mm en haut et 2,6 en bas. Ceci donne une meilleure réponse à l'instrument,
une facilité d'émission toujours appréciable. Vous pouvez constater les petits taquets disposés tous les 6 cm sur le joint afin de le consolider. Généralement, le collage est suffisant. On peut donc se passer des taquets, mais depuis qu'un des violons de Gilbert Borde s'est décollé à cet endroit, il ne fait pas l'impasse sur cette opération. Le fond terminé, il ne reste plus qu'à le coller aux éclisses. Cette opération se fait avec des vis à tabler et doit durer 24 heures. Nous allons maintenant examiner la fabrication du manche. Bien sûr, ce que vous allez voir ne s'est pas fait en une journée. On travaille sur le manche quand le reste est en train de coller. C'est une manière d'optimiser son temps. Cette opération est fastidieuse, longue, répétitive et en même temps délicate. On passe des heures à ratisser, poncer, ce qui n'est pas le plus agréable dans le travail de luthier. On comprend que beaucoup de luthiers, et pas des moindres, tels Paul Coll et bien d'autres, ne fabriquaient pas leurs manches. À Mirecourt, certains ateliers étaient spécialisés dans la fabrication des manches et les produisaient en série, exactement comme les usines chinoises d'aujourd'hui. Gilbert Borde s'oblige à fabriquer les manches de tous ses instruments, même si ce n'est pas le plus passionnant, car il considère qu'un violon de luthier ne doit pas être l'assemblage de pièces disparates provenant de différents ateliers ou usines. Il doit être le reflet du luthier. Certains sont plus fignoleurs que d'autres, et cela se voit. Gilbert fait partie de la deuxième espèce, ceux qui privilégient le son à tout le reste. Le manche est dessiné sur une pièce de bois. Le bois du manche peut provenir du même morceau que le fond et les éclisses, mais ce n'est pas obligatoire. La plupart du temps, on préfère des bois choisis pour faire des manches avec des ondes très marquées et serrées. Le manche est grossièrement découpé à la scie, qui remplace parfaitement une lame à chantourner. Le découpage est grossier, mais va très bien pour la suite. La volute est découpée par coups de scie successifs, de manière à dégager sa forme et le bouton central. Nous restons toujours très en dehors de la cote définitive. Concernant la volute, il existe des gabarits qui permettent d'obtenir un enroulement parfait. On peut aussi retrouver la forme avec une formule mathématique, mais là où est la perfection mathématique, la vie est absente. La volute doit s'écarter un peu de la formule pour garder sa vigueur, son mouvement. Petite note, en lutherie, les règles mathématiques doivent conduire le travail, mais au final, c'est l'artiste qui décide de s'en éloigner un peu pour donner de la vie à l'ensemble. Ainsi, Gilbert Borde préfère se fier à son coup d'œil. C'est moins précis, avec le risque de faire des erreurs, mais de cette manière, tous ces violons sont des pièces uniques. Aucune volute ne se ressemble. La voûte est très grossièrement découpée. Le bouton a été dégagé. C'est lui qui va guider le coup d'œil et la gouge qui, par petits coups successifs, affine le travail et donne de l'harmonie à l'ensemble. On avance dans le travail. La volute prend forme, le manche est rogné à sa forme définitive, mais beaucoup trop gros. Certains luthiers ne procèdent pas de cette manière. Ils ne mettent le manche en forme qu'après l'avoir monté sur le violon. C'est donc une des dernières opérations pendant la fabrication. Gilbert Borde préférant cette manière qui évite de donner des mauvais coups sur le bois finement poncé. Le manche est presque terminé. La volute est à la forme. Il reste encore beaucoup de temps de ponçage et de lustrage, mais ce travail se fera plus tard. L'épaisseur du manche est de 11,5 mm. Ici, elle est encore à 13 mm. La mise à la bonne cote se fera à la fin, quand le manche sera monté. La touche est collée sur le manche avec une goutte de colle rapide pour l'ajuster. La touche est fabriquée en ébène. Gilbert Borde a toutes les peines du monde à trouver du bel ébène, bien serré, sans marbrure blanche et d'un aspect uni. Il achète très cher des bûches et la plus grosse partie part au feu.
À ce propos, on n'a pas toujours construit les touches en ébène, car il y a un paradoxe. Les musiciens modernes demandent beaucoup à leur violon et exigent des touches très dures qui ne s'usent pas trop vite, raison pour laquelle l'ébène est le meilleur bois. Mais ce même ébène a le défaut d'être très lourd. Une touche de violon ne doit pas dépasser 60 grammes et de ne pas être excellent pour les vibrations. Ainsi, les luthiers de l'époque baroque construisaient des touches en poirier, bois au grain très fin et pouvant se lustrer aussi bien que l'ébène. Stradivarius fabriquait les siennes en peuplier qu'il recouvrait d'une feuille d'ébène. La touche, une fois découpée dans l'ébène, est mise à la cote. C'est très important pour le renversement du manche et donc du son. Elle doit avoir une épaisseur de 7 mm côté scié et 11 mm côté chevalet. Une fois collée sur le manche, elle est ajustée à celui-ci. Pour l'instant, elle n'est pas évidée en bout, cette opération se fera plus tard. Changer la touche sur un violon est une opération délicate. La nouvelle touche doit avoir le même poids que l'ancienne, sinon le son de l'instrument change. Le moule est enlevé, le cordon ombilical est coupé, le violon se sépare de la matrice qui lui a donné forme. Les contre-éclisses sont collées du côté de la table. De la même manière que pour les précédentes, Gilbert Bord a utilisé des pinces à linge en bois pour les maintenir en place pendant le collage. Vous pouvez constater qu'elles sont un tout petit peu plus larges que celles du fond. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais il a l'habitude de faire ainsi, car cette partie du violon est soumise à la pression de la table qui est déformée à l'intérieur de la barre et à l'extérieur par la tension des cordes. Les contre-éclisses, comme nous l'avons vu plus haut, sont des renforts. Elles sont ajustées serrées avec les coins et les tasseaux pour obtenir un ensemble solide qui ne se déforme pas. Cette condition est essentielle pour la qualité du son. Le bois superflu est enlevé. Les coins sont alignés sur les contre-éclisses, les tasseaux sont arrondis. Il est important d'enlever tout ce qui est superflu. La balance de cuisine est nécessaire pour s'assurer que l'instrument n'est pas trop lourd. Nous en reparlerons très bientôt quand toutes les pièces seront prêtes. Il reste à faire le plus fastidieux, le ponçage total. Mais avant tout, nous allons confectionner la table, dernier élément du corps de ce violon. Les épaisseurs sont étroitement liées à la dureté et l'élasticité du bois. C'est une des grandes difficultés que doit résoudre le luthier sans posséder tous les éléments qui permettraient d'aller vers un résultat aussi rigoureux que celui d'une formule mathématique. C'est le bois qui commande, le luthier qui exécute, mais souvent à l'aveugle, même si son incertitude est contenue dans des limites qui permettent de ne pas faire des erreurs trop grossières. Pour le fond, l'épaisseur n'est pas la même sur toute la surface. Nous partons du centre de la pièce et non de la partie sous le chevalet. Avec une épaisseur de 4,5 mm, et nous diminuons cette épaisseur en rond concentrique, comme les ondes d'une goutte d'eau. Ceci pour dire que l'épaisseur est plus grande entre les C que vers le manche et le bouton. On affine un peu plus entre les épaules et les hanches pour donner plus de souplesse à l'ensemble. Ainsi, en haut, on trouve une épaisseur de 2,4 mm et en bas, 2,6. Les bords se trouvant autour de 2,8 mm à 3 mm. Ces épaisseurs ne sont que des indications. Naturellement, on ne s'en éloigne pas beaucoup, mais selon la dureté de l'érable utilisé, c'est souvent là l'inconnu, d'où la nécessité de tout peser quand on travaille du bois pour la première fois, il faut les modifier. Une forte densité demande de baisser les cotes, notamment au centre. On peut descendre à 4,2 ou au contraire laisser 4,8 sur un bois léger. La position des stries de croissance est très importante. Du bois où les stries sont perpendiculaires, donc qui a été coupé en bûche comme Gilbert Bord le fait, peut être descendu en dessous de la cote standard, alors qu'un bois dont les stries sont obliques doit souvent être un peu plus épais.
Tout ceci est laissé à l'appréciation du luthier et son expérience reste le meilleur atout de réussite. La connaissance du bois qu'il travaille est essentielle. Concernant la table, c'est un peu différent, nous en reparlerons. Et maintenant la table. Elle est constituée de deux morceaux d'épicéa coupés dans la même bûche pour obtenir une parfaite symétrie entre les parties de chaque côté de l'axe médian. L'épicéa vient du Jura, il a une dizaine d'années de séchage dans l'atelier de Gilbert. Il n'a reçu aucun traitement chimique à part, tout au début, une vaporisation de xylophène pour empêcher les insectes de s'y installer. Ce produit reste à l'extérieur du bois et n'a aucune incidence sur le vieillissement et le son. Vous pouvez remarquer, en bas à droite, une partie plus sombre. C'est une poche de résine, mais, rassurez-vous, Gilbert Borde l'a sondée et elle ne descend pas profond. Elle va disparaître pendant le rognage. La table est mise à la bonne forme. La voûte est ébauchée après le premier rognage. Vous remarquez en haut l'entaille destinée à l'enclavement du manche et en bas la place du scellé qui contient le tiercorde. La poche de résine a disparu. La mise en forme et à la hauteur de la voûte est terminée. Nous gardons cependant un demi-millimètre pour les finitions, le raclage et le ponçage. Nous avons sauté plusieurs étapes, mais elles sont identiques à ce que nous avons vu sur le fond. Les filets sont collés et les ouïes sont dessinées. Concernant les ouïes, il y aurait beaucoup à dire. L'écran intérieur se trouve à 19,5 cm du bord haut de la table. C'est la fameuse règle des 3 cinquièmes qui partage la distance entre le scellé du haut et le chevalet que nous appliquons ici. 13 cm sur le manche du bord du scellé, du haut au bord de la table, 6,5 x 2 et 19,5 cm du bord de la table côté manche jusqu'à la ligne qui relie les deux crans intérieurs et où se trouvera le chevalet, 6,5 x 3, ce qui donne au total 32,5 cm. Les ouïes ne sont pas placées n'importe comment. La distance entre les trous du haut doit être de 41 à 42 mm. Si on dépasse cette distance, l'instrument a un son sans timbre. Si on rapproche les ouïes, le violon manque de puissance. À propos des ouïes, il y aurait encore beaucoup à dire. Celles de mon violon sont des ouïes dessinées et mises au point par Stradivari. Gilbert Borde fait quelques petits changements histoire de marquer sa présence, mais rien de bien important. Il existe aussi d'autres formes, principalement celle de Guarnerius del Jésus. Peut-être avez-vous ce modèle sur votre violon. Elles sont plus longues, moins harmonieuses, mais aussi tellement vivantes, presque caractérielles, comme l'était del Jésus. Il y aurait tout un livre à écrire sur la vie de ce personnage atypique qui passait sa vie dans les bistrots et les lieux de plaisir, qui se battait volontiers et a été emprisonné après avoir expédié un de ses adversaires. De temps en temps, il reprenait une vie ordinaire. Alors, il construisait un violon toujours très original et c'était un chef-d'œuvre. S'il y a eu un génie dans la lutherie, c'est bien lui. Le canon de Paganini est un Del Jésus. Mais attention, ces violons ont leur caractère. Ils sont très difficiles à jouer et ne conviennent pas à tout le monde. Il faut de la personnalité et de la persévérance pour apprivoiser ce pur sang impétueux, mais celui qui y arrive a un instrument merveilleux. Il y a d'autres formes d'ouïes, notamment Guadagnini et Gasparo da Salo. Ce dernier a la forme la moins harmonieuse. Guadagnini, élève de Stradivari, s'inspire du maître, mais a une forme bien à lui. Quant aux autres, les petits, les laborieux, dont Gilbert Borde dit modestement faire partie, ils se contentent de copier les maîtres et d'ajouter, ici et là, une petite différence qui n'est pas toujours heureuse. Les ouïes sont découpées. C'est un travail assez délicat qui demande beaucoup d'attention. Gilbert Borde commence par découper les trous du haut et du bas, puis le reste suit avec un canif, genre de cutter,
On trouve actuellement des cutters d'excellente qualité, mais leur seul défaut réside dans le manche, souvent très fragile. L'intérieur de la table est creusé. La mise à l'épaisseur, 2,6 mm pour ce bois, se fait d'abord au rabot, puis au racloir. Vous pouvez remarquer les petits taquets sur le joint du milieu. La ligne tracée au crayon donne la position de la barre. Elle se trouve côté manche à 18 mm du centre et côté bouton à 22 mm. Dans le violon, rien n'est d'équerre et rarement droit. La barre est fabriquée dans une pièce d'épicéa dont les lignes de croissance régulières sont perpendiculaires au plan de la table. C'est un ressort. Elle est ajustée sur la courbe de la voûte, puis cintrée, c'est-à-dire que l'on rabote un peu de bois en respectant la courbe de la table pour que celle-ci soit tendue, et d'ailleurs elle est un peu déformée. La barre est collée et mise en forme. Elle est taillée en pointe. Ce n'est pas obligatoire. Il existe autant de formes que de luthiers. Le but, c'est d'avoir un ressort parfaitement adapté à la résistance de la table et le plus léger possible. C'est de ce travail assez délicat d'ajustement que dépend en partie la qualité du son et principalement des graves. La barre se trouve exactement sous la corde de sol. Toutes les parties du violon sont construites. Il reste naturellement beaucoup à poncer et finaliser, notamment le manche et le chevillet. Mais avant tout, le verdict de la balance. Le poids est essentiel. Un violon doit peser entre 300 et 320 grammes pour être large. L'idéal reste entre 300 et 310. Donc, tous les organes du violon sont posés sur la balance et vous pouvez lire le résultat, 304 grammes. Concernant mon violon, Gilbert Borde confie avoir été lui-même un peu surpris, pensant qu'il serait plutôt un peu au-dessus de 310. Le réglage du renversement. La table est tenue à sa place par des vis attablées et le manche, dont l'ajustement est serré, tient à peu près tout seul. On pose une règle sur la touche et on mesure la hauteur au niveau du chevalet, c'est-à-dire sur la ligne qui relie les deux crans inférieurs des F. Ce renversement doit être de 26 mm. On ajoute toujours 1 ou 2 mm qui seront perdus en tendant les cordes. Gilbert Borde précise que ce réglage n'est pas définitif, il l'affinera par la suite. Concernant la hauteur du renversement, elle est aussi liée à la hauteur des voûtes. Des voûtes très hautes ont un renversement plus faible au niveau du chevalet. Le but, et la seule indication qui compte, c'est l'angle que forment les cordes sur le chevalet. Cet angle doit être autour de 155 degrés. Avant de coller la table à sa place, Gilbert Borde imprègne l'intérieur d'une substance destinée à durcir le bois et faciliter la réflexion des vibrations. Ensuite, plusieurs jours de ponçage, de nettoyage seront nécessaires avant de commencer le vernis. Les deux premières couches de vernis blanc ont été étalées ainsi que les premières couches de vernis coloré. Sur les violons de petite qualité, c'est le bois qui est teinté, on se contente d'ajouter une couche de vernis incolore et le tour est joué. Sur les violons de luthier, la couleur est incorporée à la pâte du vernis. Ce sont les couches successives qui donnent l'aspect définitif de l'instrument. Les premières notes se rapprochent. Le tablage. La table, positionnée par deux minuscules chevilles, est collée à sa place. Des vis de tablage permettent d'obtenir un collage régulier. Vous remarquez deux serre-joints, l'un destiné à obtenir un bon collage de la table sur le tasseau du haut et l'autre sur le tasseau du bas. Le manche est collé à sa place. À ce sujet, Stradivari consolidait le collage du manche avec trois petits clous qu'il plantait dans le tasseau par l'intérieur. Quand, au milieu du 19e, le manche a été transformé, que le renversement a impliqué un enclavement plus profond dans le tasseau,
les luthiers se sont contentés d'un ajustage serré, d'un bon collage. Les clous ont été supprimés. C'est un avantage, on peut changer le manche sans avoir à détabler l'instrument. La table est collée, mon violon est prêt à être verni. Mais avant, plusieurs opérations de traitement du bois sont nécessaires. D'abord, un traitement du bois pour le durcir et augmenter sa réaction aux vibrations. C'est la même formule que pour l'intérieur. Ensuite, il faut encoller la table. Ce terme désigne ce que faisaient les anciens luthiers. Pour éviter que le vernis ne pénètre à l'intérieur du bois de la table, l'épicéa est semblable à une éponge, il passait une couche de colle diluée qui bouchait les pores du bois. Ensuite, cette opération a beaucoup évolué. On a inventé des formules compliquées d'encollage. Puis, on est revenu à des choses simples, solution de gomme gutte et d'aloès socotrin dans de l'alcool. La gomme gutte peut aussi s'utiliser pure. Gilbert Borde a utilisé ces deux formules, puis abandonné parce qu'elles ne réagissent pas bien avec son vernis et donnaient une teinte au bois qui ne lui convenait pas. Il a finalement opté pour la solution la plus simple qu'utilisaient les premiers luthiers lorrains, la gélatine dissoute dans de l'eau chaude. Cette opération terminée, il faut racler l'instrument pour éliminer les petites aspérités du bois que l'eau fait ressortir. Le raclage est supérieur à ce stade au ponçage qui n'est jamais très net, même avec du papier ultra fin. La troisième opération consiste à passer une première couche de ce qu'on appelle le vernis blanc. Ce n'est pas à proprement parler du vernis, mais une solution de différents produits dans de l'huile cuite. Deux couches sont nécessaires. Ensuite, seulement, commence le véritable vernis qui apporte la couleur, fait de couches successives, avec ponçage entre chacune d'elles. Cette opération, assez rapide en été, peut prendre un peu plus de temps en hiver. Voici enfin deux photos de mon violon que m'a remis Gilbert Borde en ce mois de février 2015. J'ai enregistré avec deux courtes vidéos qui s'intitulent « Mon violon d'Orliac » qui sont sur YouTube. Et je vais enregistrer avec ce violon toutes les démos violon de mon volume numéro 9 à venir. « Jouer du violon avec playback » volume B où il y aura tous les styles de violon à travers les siècles et les pays.